Bible pesante. Genèse chapitre 1, verset 14. Est-ce que nous sommes tous là? Nous allons prendre nos Bibles. Écoute ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années. 15. Qu'est-ce que Dieu dit au verset 15? Qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer quoi? Et c'est la fille. Et Dieu fit le deux grands luminaires et le plus grand luminaire pour présider quand? Et le plus petit luminaire pour présider quand? Et il fit aussi des œufs. Au 17, qu'est-ce qu'il dit? Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer et pour faire quoi? Pour présider le jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec. Et Dieu vit cela était ainsi. Il y eut quoi? Et il y eut un. Et cela fit le quatrième jour. Le quatrième jour. Daniel chapitre 2. Au verset 21. Daniel, chapitre 10. Écoute ce que la Bible nous dit. Daniel, chapitre 2, verset 21. Celui qui change les temps et quoi? Et les circonstances. Qui renverse et qui établit le roi. Qui donne la sagesse aux sages. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Bien aimé, depuis la nuit du temps, la Bible nous dit, lorsque Dieu avait créé la terre en laquelle nous trouvons, Dieu avait établi ce que nous appelons le temps. Dans le temps, il l'a subdivisé en deux. Il y avait le jour et il y avait la nuit. Il y avait quoi? Le jour et la nuit. Ainsi, retenez ceci. Dans ton existence sur cette terre des hommes, il y aura la nuit, il y aura aussi le jour. Fais ou fais pas. Donc, il y a un temps qu'on appelle jour et il y a un temps qu'on appelle la nuit. Et c'est Dieu qui les a subdivisés. Et en subdivisant, bien aimé dans le Seigneur, le temps en deux parties. La partie qu'il appelle jour et la partie qu'il appelle soir. Dieu a établi des saisons sur cette terre des hommes. Lorsque nous allons dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, j'aimerais que tu puisses le lire avec moi. Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste, chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, nous allons commencer par le premier verset. Écoute ce que Dieu dit. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Donc, nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, sur cette terre des hommes, Dieu a d'abord placé les temps. Le temps, bien aimé dans le Seigneur,
que la Bible nous dit, il y a un temps pour toute chose qui se fait sous le ciel de Dieu. Mais le temps que Dieu a placé sur cette terre des hommes, au-delà de la nuit et du jour, Dieu nous dit ceci. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre, il y a un temps pour bâtir. C'est que dans le temps que Dieu avait placé sur cette terre des hommes, il est donné à l'homme de ne pas faire la même chose dans chaque temps. Donc chaque temps t'impose quelque chose à faire. Il dit il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'échec que nous avons sur cette terre des hommes est que nous ne connaissons pas dans quel temps nous nous trouvons et qu'est-ce que tu dois faire par rapport au temps dans lequel tu te trouves. 2024 est là. Mais qu'est-ce que Dieu me demande à faire pour 2024? Mais dans la pensée de Dieu, Dieu me dit 2024, c'est une année de célébration. C'est une année où je dois célébrer. Mais qui a défini ces temps? C'est Dieu lui-même. Il y a un temps pour toute chose. Lorsque tu prends ta Bible dans le livre des Chroniques, chapitre 12, verset 32, je l'avais enseigné l'autre fois, j'ai dit, Dieu a pris l'homme, il lui a placé dans les temps. Mais dans les temps où Dieu avait placé l'homme, tu vas lire ça à la maison, 1 Chroniques, chapitre 12, verset 32. Dans les temps où Dieu avait placé l'homme, Dieu est allé en Israël, et il y avait 12 tribus d'Israël. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, avait fait en sorte que dans la tribu d'Issachar, Dieu leur avait donné l'intelligence du temps. C'est que dans cette tribu-là, les gens qui étaient là, Dieu leur avait doté de l'intelligence du temps. C'est que je comprends. On peut échouer dans la vie parce qu'il te manque l'intelligence du temps. Chaque temps demande, bien aimé dans le Seigneur, de l'intelligence. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des opportunités dans la vie qui n'arrivent qu'une seule fois. Lorsque tu le loupes, c'est fini. Beaucoup de gens, bien aimé, échouent. Non pas parce qu'ils sont sous la malédiction, mais c'est parce qu'ils ne savent pas interpréter et lire les temps dans leur vie. Ils ne savent pas quoi faire à chaque temps. Ici, la Bible nous dit il y a un temps pour chaque chose. Certaines saisons dans la vie t'imposent le silence. Mais lorsque, dans une saison de silence, tu te mets à parler, tu vas t'enterrer toi-même. Je vais parler. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts avant l'âge parce qu'il avait ouvert tout simplement la bouche dans la saison qui lui imposait le silence. La bouche là, ça peut t'entraîner à la tombe. Je vais parler. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils avaient ouvert la bouche dans une saison de silence. Donc, dans la vie de l'homme, mon frère, ma soeur, il y a des saisons qui te demandent le silence. Dans le silence, qu'est-ce que je veux dire? La discrétion. Par manque de discrétion, beaucoup sont allés vite dans la tombe. 2024. Au-delà d'être une année de célébration, notez ceci. 2024, c'est aussi une année de discrétion. Amen, hein? C'est aussi une année de quoi? De discrétion. Pourquoi je dis de discrétion? Parce qu'avant d'ouvrir la bouche, Dieu te dit, c'est, je marcherai avec toi en 2024. Mais 2024, je l'ai subdivisé en saisons. Il y a des saisons où je vais t'imposer le silence. Tu fermes la bouche. Même quand tu es provoqué, tu ne réponds pas.
Même quand tu es attaqué, tu ne réponds pas. Tu sais qu'il y a des combats dans la vie. Tu le perds, non seulement parce que tu n'es pas fort, mais c'est parce que tu ne sais pas t'éteindre. Il y a certains combats dans la vie qui se gagnent dans le silence. Amen, non? Qui se gagnent dans le silence. De 24, c'est une année de célébration. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 18, la Bible nous dit ceci. Matthieu, chapitre 18, verset 18. La Bible nous dit ceci. Tout ce que l'homme liera sur la terre sera lié où? Non, répète après moi. Tout ce que l'homme aura lié sur la terre sera lié où? Au ciel. Maintenant, écoutez, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui déclenche le mouvement au ciel? C'est la décision qui a été prise sur la terre. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu lui-même dit à l'homme, Gino, je marcherai avec toi. Mais je te dis une chose. À partir de la terre, tu peux provoquer un mouvement au ciel. Amen. Hein? Lui-même nous dit, tout ce que l'homme aura lié sur la terre sera lié où? Au ciel. En d'autres termes, je vais dire, ce que l'homme aura décidé sur la terre sera décidé aussi au ciel. C'est que l'homme peut engager le ciel. Amen. Hein? L'homme peut engager le ciel. C'est ce que tu dois comprendre dans ta vie. Que Dieu marche avec moi. Mais il y a des choses, il y a des mouvements que je peux faire sur la terre qui peut créer un mouvement au ciel. Amen. Hein? Et pasteur, quels sont ces mouvements? Notez ça. Que en 2024, tu marcheras avec Dieu. En 2024, tu pourras créer un mouvement au ciel. Mais quel est le mouvement sur la terre qui déclenche un mouvement au ciel? La première des choses, le premier mouvement qui déclenche un mouvement au ciel, c'est lorsqu'un saint entre dans sa chambre, se met à genoux, parle à Dieu, le ciel exécute. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, la prière est un outil pour les gens qui engagent le ciel. C'est que dans ton problème, tu peux engager le ciel. Lui-même a dit, tout ce que l'homme aura lié sur la terre sera lié où? Au ciel. Donc il y a une synchronisation entre le mouvement qui s'est fait sur la terre et le mouvement qui est au ciel. C'est que tu peux engager le ciel dans ton problème. C'est Dieu lui-même qui te le dit. Amen, hein? Alors, maintenant, lorsque tu décides sur la terre, le ciel écoute. Mais maintenant, écoute ce que Dieu, Jésus nous dit dans la prière de notre Père. Ça, j'aime. Que ta volonté sur la terre, maintenant, écoutez. Ce que l'homme aura lié sur la terre sera lié où? C'est que la décision de l'homme sur la terre sera aussi la décision du ciel. Amen. Hein? Maintenant, lorsque le ciel décide, je redescends maintenant dans la prière de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre. Je ne sais pas si tu as compris. Tu as déclenché quelque chose à partir de la terre. Le ciel prend acte. Et lorsque le ciel prend acte, ça veut dire que le ciel a pris ta décision et l'impose sur la terre. Tu vois comment ça marche? Je peux avoir un problème dans ma vie. Je ne m'attaque pas au problème. Je prends une décision qui engage le ciel. Et lorsque le ciel écoute ma prière, le ciel impose ma prière sur la terre. Je ne sais pas si tu comprends. Tu as un problème avec moi. Je ne m'attaque pas à toi. Je parle au ciel. Et lorsque le ciel écoute ma prière, le ciel va t'imposer ma décision. Voilà pourquoi il dit à Moïse, je t'ai fait Dieu
2024, je proclame et déclare ce problème qui t'avait fait pleurer en 2023, que Dieu puisse te faire Dieu face à ce problème. Ce problème, oh, je proclame et déclare que tu deviens Dieu face à ce qui t'ont fait pleurer en 2023. Je proclame et déclare, la saison a changé, la saison a shifté. J'entre en 2024 non pas comme un pleurnichard. En 2024, j'entre comme un Dieu. Un Dieu ne discute pas, un Dieu parle, un Dieu impose, un Dieu s'impose. Voilà pourquoi un homme qui comprend le principe spirituel, tu peux l'insulter, tu peux l'attaquer, il ne te répondra jamais. Tu sais ce qu'il fera? Il va dans sa chambre, il se met à genoux, il parle à ton ciel. Je peux parler? Écoute ce que la Bible dit. Je suis en train d'aller vers la fin. Écoute ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 17, écoute ce que Jacques nous dit. Jacques dit quelque chose de très important. Il dit, Élie, Élie était un homme de même nature que nous. Il décida que la pluie ne puisse pas tomber. La nature a exécuté. Ça, c'est Jacques lui-même qui explique ça à ses semblables. Il dit, regardez, Élie n'était pas un ange. Il était un homme faillible comme moi et toi. Mais Élie, il décida de fermer le ciel et le ciel se ferme. Amen. Hein? Bien-aimé, le ciel, c'est elle qui envoie la pluie sur la terre. Imagine-toi quand tu as le pouvoir d'ouvrir et de fermer le ciel. Tu as aussi le pouvoir. Pourquoi tu pleures pour ce qui se passe dans ta famille? Entre en prière, ouvre le ciel de ta famille. La pluie va couler, la pluie va arroser. Là où il y avait les déserts, la pluie va arroser les sols de ta famille, les sols de ta maison. Mais bien aimé, écoutez, ne parle plus à ton problème. Ne parle plus aux hommes, mais parle au Dieu des hommes. Il y a un Dieu qui contrôle les hommes. Il y a un Dieu qui contrôle le cœur des hommes. Moi, même au travail, même partout, quand quelqu'un me provoque, je dis, tu ne sais pas. Je connais mieux la parole que toi. La Bible dit, le cœur du roi est comme un ruisseau entre les mains de Dieu. Il le penche où il le veut. Est-ce que tu sais que celui qui marche avec Dieu peut contrôler le cœur d'un homme? Tu vois le principe? Dieu dit, le cœur du roi est comme un ruisseau entre les mains de Dieu. Mais maintenant, toi, tu es celui qui engage les ciels. C'est que tu peux contrôler le cœur de qui que ce soit. Amen. Hein? Nous entrons maintenant dans la saison de la célébration. C'est que dans la vie de l'homme, si je paie, en Afrique, il y a deux saisons. Il y a la saison de pluie et la saison sèche. Donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, de l'Élie, s'ils étaient dans la saison de pluie, une seule personne a changé la saison dans tout le pays. La saison qui était une saison de pluie, Élie l'a arrêtée, il a changé ça en saison sèche. La pluie s'est arrêtée. Papa, une seule personne. Écoutez, vous ne savez pas le pouvoir qu'on a lorsqu'on marche avec Dieu. Dis-moi, quel est le président de la République, quelle que soit l'armée ou le pouvoir qu'il a, est-ce qu'il peut fermer le ciel? Est-ce qu'il peut arrêter la pluie? Mais Élie, la Bible nous dit, il était un homme de même nature que moi et toi. Il ordonna que le ciel soit fermé. Est-ce que tu sais que tu peux fermer le ciel de cette ville? Tu sais que tu as cette capacité-là. Il était un homme qui avait le sang et la chair comme toi. Donc, ça veut dire, quand j'ai compris que Élie pouvait arrêter la saison de pluie pour déclencher la saison sèche, j'ai compris que dans ma vie, je peux aussi arrêter la saison de problèmes. Bien-aimé, quand tu traverses des moments difficiles, tu peux t'élever en prière et mettre fin à cette saison-là. Tu peux arrêter la saison de célibat. Tu peux arrêter la saison de pleurs. Parce que Dieu t'a donné la capacité de contrôler les saisons. Je peux parler?
Papa, le calendrier change. C'est une conséquence des jours qui changent. Voilà pourquoi dans le calendrier, ça change. Mais en ce qui concerne la saison ne dépend pas du calendrier. Tu sais pourquoi? Parce que la saison dépend de la spiritualité. Écoute, les jours, le mois, les années dépend du calendrier. Mais en ce qui concerne la saison, ça dépend du spirituel. C'est qu'un homme spirituel peut changer la saison dans sa vie. Dans quelle saison tu te trouves? Tu peux monter. Papa, le problème, c'est parce qu'on n'est pas assez enseigné pour savoir qu'est-ce que nous pouvons contrôler et qu'est-ce que nous ne pouvons pas contrôler. La situation qui est devant toi, au lieu de la contrôler, toi tu pleures. C'est parce que tu ne sais pas à qui t'adresser pour changer ces choses-là. Bien-aimé, il y a des choses que tu peux changer. Amen, hein? Tu peux avoir un petit salaire. Lorsque tu te plains, c'est tes collègues au travail. Ton salaire ne changera pas. Mais le jour où tu prendras la décision d'aller consulter à qui de droit, il a le pouvoir et la décision de changer ton salaire. Tu peux rester dans la même compagnie pendant 5 ans, ton salaire ne change pas. Non pas parce que le boss ne veut pas, mais c'est parce que toi tu es ignorant. Amen, hein? Mais le jour que tu auras la connaissance, tu vas t'adresser à qui de droit, et cette personne prendra la décision et ta saison changera. Bien aimé, 2024, c'est notre saison de célébration. Amen, hein? Célébrer, ça veut dire quoi? Je suis en train de fêter par rapport à un événement, par rapport à quelque chose. Alors, qu'est-ce que la saison de la célébration implique? Qui dit célébration dit fête. Est-ce que tu peux dire fête? Là où on célèbre, les gens se réunissent pour célébrer. C'est que lorsque tu entres dans la saison 2024 des célébrations, tu auras des rencontres à faire. Donc la saison des célébrations va déclencher une saison des rencontres avec des bonnes personnes dans ta vie en 2024. Donc cette nouvelle saison, laissez-moi te dire, Angelo, en cette 2024, cette saison, comme c'est une saison des rencontres, parce qu'on doit se rencontrer pour célébrer ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette nouvelle année, Dieu mettra sur ton chemin l'homme et la femme de ta vie. Que Dieu mette, dans cette nouvelle saison de rencontres, que Dieu puisse mettre sur ton chemin des hommes et des femmes providentielles qui viendront t'aider et te soutenir en cette nouvelle saison. Saison de célébration. Qui dit célébration? On ne peut pas célébrer dans la tristesse. As-tu déjà vu quelque part où on célèbre dans la tristesse? On célèbre dans la joie. Donc la saison de célébration, c'est une saison que tu le veux ou pas, ça t'impose la joie. Et que dans cette saison-là, l'attitude que tu dois avoir lorsque tu traverses une saison de célébration, c'est la joie. La Bible dit la joie de l'Éternel est notre force. Tu sais ce que l'ennemi cherche à attaquer dans ta vie, la première des choses, c'est ta joie. Il veut te voler la joie. Papa, tu peux avoir la connaissance de la parole, un homme de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu n'as plus la joie dans ton cœur, même ta prière ne marchera plus. Est-ce que tu sais ça? Voilà pourquoi ceux qui veulent te détruire, la première des choses qu'ils veulent détruire dans ta vie, c'est ta joie. En cette année de célébration, dis pasteur parle, que ta joie ne soit pas attachée ni au matériel, ni aux hommes. Que ta joie soit attachée à l'Éternel. Parce que je suis dans ma saison de célébration. Dans la saison de célébration, c'est une saison où je ne me repose plus sur les hommes, ni sur le pasteur. Papa, même moi, je peux te décevoir. Même ma femme peut te décevoir. Même les ouvriers dans la compassion peuvent te décevoir. Papa, si tu ne veux pas faire la dépression,
dans ces pays ici, bâtis ta foi sur les hommes. Olé là. C'est là la saison de plaire. C'est que celui qui traverse une saison de célébration, il a un homme de principes. Et ce principe est qu'il n'attache pas sa joie aux humains. Celui qui les a créés a dit le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortué. Il a dit qu'il le connaît, si ce n'est Dieu seul. Mais maintenant, papa, lui-même a créé l'humain. Il dit que le cœur de l'homme est méchant. Mais maintenant, c'est sur le cœur de l'homme que tu vas t'attacher pour créer ton bonheur. Olé là. Amen. Hein? Moi, je l'ai compris. Ma joie ne dépend ni de mes amis, ni de ma femme, ni de mes enfants. Ma joie dépend de l'Éternel. Que vous soyez là ou pas, je serai joyeux parce que ma joie ne dépend pas de vous. Écoutez, pour que ta joie ne puisse plus dépendre des hommes dans cette nouvelle saison, dis-moi, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Ne donnez plus la télécommande de ton cœur aux humains. Je peux parler? Ne donnez pas la télécommande de ton cœur à un humain. Il va te téléguider de loin où il est. Il va te contrôler mentalement. Tu sais qu'un homme peut rentrer dans ton mental et détruire ton mental. Ne donnez jamais la télécommande à un humain, même pas à ta femme. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Hein? Papa, dans ce pays ici, laissez-moi te dire, on va au travail, on a des boss qui sont païens, ils ne prient pas. Ils viennent de chez lui, de sa maison avec des démons, ils viennent au travail. Et tu penses que tu vas attacher ton bonheur à ton boss au travail? Lui-même il est dépressif, il est façon. Amen, hein? Bien-aimé, ne donnez pas en 2024 la télécommande de ton bonheur aux humains. Que Dieu soit la source de ta joie. Parce que Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc j'ai bâti ma joie sur ce qui était hier, qui sera aujourd'hui et qui sera demain. Même si les jours passent, Dieu est le même, ma joie est le même. Hier j'avais la joie, aujourd'hui la joie et demain la joie. Pourquoi? Parce que j'ai choisi d'investir sur ce qui est intemporel. Ne change pas. Si tu veux continuer à célébrer dans ta vie, être dans la joie, protège ta joie. Dis, pasteur, je protégerai ma joie. Oui, je protégerai ma joie. Bien-aimé, la saison des célébrations, je suis en train de finir. La saison des célébrations, c'est une saison qui t'impose, c'est une saison de célébration, c'est une saison de joie. C'est une saison de rencontres. Mais qu'est-ce que nous allons célébrer? En 2024, la première des choses, apprends à te célébrer toi-même. Je peux parler? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment se célébrer. Célèbre ton existence. Célèbre ta vie. Lorsque tu es papa, tu as eu le temps de t'occuper des autres. En 2024, prends le temps de t'occuper de toi-même. Fais-toi quand même beau, non? Hein? Papa, il y a une chose que l'ennemi n'aime pas. C'est lorsque tu traverses des moments difficiles, il te voit toujours, tu te fais beau, tu te fais belle. La meilleure réponse que tu peux donner à ceux qui veulent te voir triste, c'est de continuer à t'embellir. Amen. Hein? C'est de continuer à apprendre à célébrer ta vie, papa. Qu'est-ce que je peux dire par là? Apprends à te mettre en valeur. N'attends pas qu'on t'amène au restaurant. J'ai appris à me célébrer moi-même. Je peux aller moi-même au restaurant, je mange, je m'habille, je prends ma voiture, je pars au restaurant, je mange et je reviens à la maison. Apprends à te célébrer. N'attends pas que les hommes puissent te célébrer. Apprends, bien-aimé, à te célébrer. Mes chers sœurs, apprenez à vous célébrer vous-même.
Amen. Hein? Pour te célébrer, ma sœur, fais une formation. Ayez un bon travail. Papa, tu continues. On entre dans une saison où on t'invite au restaurant par un homme. Il vient avec sa voiture, tu viens aussi avec ta voiture. Il veut payer au restaurant, tu lui dis stop, moi-même je vais payer. Un homme ne pourra pas se jouer de toi. Amen. Hein? Apprends bien aimé dans le Seigneur. Toi, c'est seulement, tu aimes trop les gratuits. Tu aimes trop les gratuits. C'est ça qu'on se joue de toi. Tu aimes trop les gratuits. Papa, laissez-moi te dire une chose. Pour protéger ta saison de célébration, sois indépendant. Sois et d'abord l'indépendance. Quelle indépendance? L'indépendance financière. Amen. Hein? L'indépendance financière, même dans la famille, ça impose le respect. Si tu n'es pas indépendant, on va t'attraper sorcier dans la famille. Amen. Hein? Papa, la pauvreté, c'est la mauvaise chose. Tu peux aller chez quelqu'un, lui demander de l'argent, de t'emprunter de l'argent. Tu sais qu'il peut te demander, ok, je vais t'emprunter 50 dollars. Mais en attendant, prends le sac poubelle, descends-le d'abord dehors. Tu prends le sac poubelle, tu le descends dehors. Mais tu vois jusqu'où la pauvreté te fait perdre ta dignité. Dans la saison des célébrations, lève la main, dis, je serai indépendant. Bâtis ton indépendance, papa. Nous, les hommes, mes sœurs, les hommes craignent et respectent les femmes indépendantes. Isenga senga, c'est compliqué. Amen, hein? Des fois, on t'amène au restaurant. Sors ton argent, paye toi-même. Tu sais, un homme, même s'il voulait se jouer de toi, quand il voit que tu payes toi-même ta facture, ça impose le respect. Hein? Amen. Hein? Ça impose le respect. Lui-même, il comprend que ici, c'est une autre saison. Amen. Hein? Ici, ce n'est pas la saison de Maléwa. On est quand même en Occident. Après, on t'est célébré. Amen. Hein? Frère, il y a des gens qui sont devenus des sorciers tout simplement parce que c'est son anniversaire. Vous n'avez pas donné de cadeaux. Tu commences à te séparer des gens parce qu'ils ne t'ont pas donné de cadeaux. C'est ton anniversaire. Apprends à te célébrer toi-même d'abord. Amen. Hein? Frère, vous me donnez des cadeaux, c'est bien. Vous ne me donnez pas, moi-même je me donne des cadeaux. Frère, moi j'ai un principe, je vais peut-être le partager avec toi. À chaque âge qui s'ajoute dans ma vie, j'achète toujours un cadeau souvenir. Quand je regarde quand j'avais 25 ans, je peux te dire les cadeaux que je m'étais donné moi-même. C'est ça qu'on appelle se célébrer. Les cadeaux, c'est bien, on nous donne, nous les recevons, il n'y a pas de problème. Mais les gens peuvent se jouer de toi. Tout simplement à cause des cadeaux qu'ils t'ont donné. Tu vois les plantes qu'elle a là, c'est moi qui lui avais donné. Tu vois les cabello qu'il a là, c'est moi qui lui avais donné ça. Apprends à te célébrer. Beaucoup de gens bien-aimés sont ridiculisés parce qu'ils ne savent pas comment eux-mêmes c'est célébré. Tu vas dans ton mariage. Apprends à célébrer ton mariage. N'attends pas que la belle famille, que les gens puissent célébrer. Je n'ai pas besoin que vous célébrez ma femme. Moi-même, j'ai appris à la célébrer. Parce que si tu attends que dans la famille qu'on célèbre ta femme, il y a des gens façon, façon. Elle est belle mère. Dans nos familles, il y a beaucoup de mères. Amen. Hein? Surtout quand vous êtes né dans une famille où il y a beaucoup de sœurs. Frère, moi quand je n'étais pas marié, mon pasteur ferme les oreilles. Quand je n'étais pas marié, je suis né dans une famille où il y avait beaucoup de filles. J'ai chassé d'autres filles tout simplement à cause du regard de mes sœurs.
Quand tu l'amènes là, la façon qu'ils vont la regarder, toi-même tu y es découragé. Bipe tu es fana chouta. Pour mis subatale lié. Ma longue zate. Il n'y a rien de bon ici. Amen. Hein? Papa, apprends à célébrer ce que tu aimes. Apprends à célébrer ta famille. Parce que si tu tombes sur une mauvaise femme, elle va détruire ta famille. Apprends à célébrer ta mère, à célébrer tes frères, à célébrer ta sœur. Je n'ai pas besoin qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit cool, qu'il soit quoi. C'est Dieu qui me les a donnés. Je les aime comme ça et je les célèbre comme ça. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu? Quand tu sais célébrer ta famille, ta femme ne jouerait pas avec ta famille. Tu sais, les femmes, il va commencer à chercher des failles en toi. Il te montre, dans votre famille, il y a toujours des problèmes. Hein? Dans votre famille, ça, c'est quel genre de famille? Là, il cherche des failles. Si tu es faible d'esprit, elle va passer par là et commencer à détruire un à un dans ta famille. Mais si tu es un robot, hein? Je ne comprends pas. Amen, hein? Nous sommes dans la saison des sept. Dans la vie, il ne faut pas toujours qu'on te comprenne. Sois un peu mystérieux. Hein? Sois un peu mystérieux. Moi, des fois, ma femme me dit, « Je comprends à côté. » Je dis, « Oui, tu ne peux pas me comprendre. » N'a joué à qui qu'est. Amen. Hein? Tu vois, tu dormais, je viens de te réveiller. Hein? Donne une main d'acclamation à notre Dieu, on s'avance vers la fin. L'année des célébrations, nous célébrons Dieu, nous nous célébrons nous-mêmes. Dans l'année des célébrations, apprenez aussi à célébrer les autres. À célébrer les grâces des autres. Voilà pourquoi moi je dis en 2024, tout le don que Dieu nous a donné dans l'église, la compassion, nous entrerons avec l'esprit de célébration. Nous allons, quelle que soit leur faiblesse, leur faille, nous allons célébrer des hommes et des femmes que Dieu nous a donnés. Apprends à célébrer les autres. Papa, apprends. La Bible, Dieu dit à Moïse, je bénirai ceux qui te béniront. Tu comprends? Mais maintenant, lorsque tu commences à célébrer des gens que Dieu a mis tout autour de toi, il y a d'autres bénédictions qui se déclenchent. Tu sais, lorsque tu commences à célébrer les autres, tu prépares ta célébration aussi. Lorsque tu célèbres le mariage des autres, la grâce des autres, lorsque tu célèbres le don, les talents que Dieu a mis dans d'autres personnes, tu es en train de préparer ta célébration. Amen. Hein? Ce que tu célèbres, tu l'attires aussi. Retiens ça. Ce que tu célèbres, tu fais quoi? Tu l'attires. Tu veux devenir comme le pasteur Serge. Célèbre cet homme. Et plus tu vas me célébrer, tu vas créer une atmosphère tout autour de toi. Écoutez-moi, je vais te dire une chose. Le mage, je vais terminer par là. Ils ont regardé au ciel, ils ont vu l'étoile. Ils ont suivi cette étoile. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés là où Jésus était. Ils ont vu l'enfant. Ils n'ont pas vu son âge. Ils ont sorti les myrrhe, l'encens. Et ils ont béni l'enfant. Mais ils ont suivi quoi? L'étoile. Papa, quand tu vois l'étoile de quelqu'un, apprends à célébrer cette étoile. Et plus tu vas les célébrer, Dieu va te bénir. Célèbre tes enfants que Dieu t'a donnés. Aujourd'hui, nos enfants n'ont plus l'amour, n'ont plus d'affection, parce que nous ne sommes plus de parents qui célèbrent nos enfants. Apprenons à célébrer les enfants. Les jeunesses que nous sommes là, que cette année, que ce soit une année où nous allons célébrer aussi nos parents. Moi, je n'en ai plus, mais vous, vous en avez. Apprenez à célébrer vos parents. Moi, Dieu a permis que je les fasse, je puisse les faire. Je l'ai fait à mon temps. Mais toi, maintenant, célèbre tes parents. N'insulte plus ton père. N'insulte plus ta mère. Un parent, même s'il a des failles, il a des défauts, il reste un parent. Apprends à célébrer.
le parent. Moi, dans ma famille, tu peux toucher à tout celui que tu veux, mais pas à ma mère. Pourquoi? Parce que c'est la porte par laquelle je suis arrivé sur cette terre des hommes. Bien-aimé, en 2024, nous entrons dans une année de célébration où nous allons célébrer la bonté de Dieu dans notre vie, où nous allons célébrer les autres, où nous allons nous célébrer nous-mêmes, où nous allons célébrer nos familles, où nous allons célébrer les autres. Comment nous pouvons célébrer les autres? C'est dire du bien des autres, témoigner du bien des autres. Enlève un peu de parler derrière le dos des gens. Commence maintenant à parler devant les gens. Bouge ton voisin, dis-lui, arrêtez de parler derrière les gens. Bouge-lui. Regarde ton voisin, dis-lui. Dis-lui, master. Arrêtez de parler derrière le dos des gens. Commencez maintenant à parler devant les gens. Amen. Hein? C'est ça, célébrer quelqu'un. Célébrer une grâce. Celui qui célèbre, tu sais ce que j'aime avec la fête, on peut être un ennemi, mais si c'est le jour de la fête, on peut oublier. Celui qui célèbre, il oublie. Un rancunier ne célèbre jamais, car on ne célèbre jamais la haine. Je peux parler? On ne célèbre jamais quoi? On célèbre la joie. Église la compassion. Que cette année soit une année de célébration dans notre église. Une année de célébration, c'est une année de rassemblement, c'est une année d'amour, c'est une année d'unité. Parce que là où on célèbre, là où il y a la fête, les gens sont unis, il y a la joie, il y a la paix et il y a l'unité. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni sur ce message? Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. C'est une année de célébration. J'aimerais que tu parles à ton ciel. La Bible dit, ce qui sera lié sur la terre sera lié au ciel. J'aimerais que tu puisses lier quelque chose maintenant, après avoir écouté cette parole. J'aimerais que tu puisses déclencher une saison maintenant. Tout ce que l'homme aura semé, il est moissonné là. J'aimerais que tu parles à cette année nouvelle. Une année a des oreilles, une année écoute. Baisse ta tête. Tu vas dire à Dieu pendant ce temps de prière, Seigneur, donne-moi l'intelligence, la sagesse de la saison. En cette saison nouvelle, la Bible dit que c'est celui qui manque de la sagesse qui le demande à Dieu. Demande à Dieu la sagesse et l'intelligence de cette saison 2024. Parle à Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Prince de paix, Seigneur, nous t'invitons, Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu véritable, Seigneur de gloire. Pendant cette saison éternelle, le Dieu de gloire où j'entre, Seigneur, donne-moi l'intelligence qui va me conduire durant toute cette saison. Donne-moi la sagesse éternelle, le Dieu de gloire. Donne-moi le mental de cette saison, Seigneur de gloire. Aide-moi à savoir te célébrer toute cette année, Seigneur. Aide-moi, éternel Dieu, à savoir célébrer, éternel Dieu, tous ces hommes et ces femmes que tu as mis tout autour de moi. Aide-moi, Seigneur de gloire, à célébrer mon mari, à célébrer ma femme, à célébrer mes enfants. Aide-moi cette année, Seigneur, à célébrer, éternel Dieu de gloire, ma vie. Que cette année, Seigneur, que ça ne soit pas une année où je vais pleurer sur ma vie, mais que ça soit une année où je vais célébrer mon existence sur cette terre des hommes, Seigneur. Aide-moi, Seigneur de gloire, à savoir me contenter de ce que tu me donnes, à trouver la joie dans le paix que tu me donnes, à trouver la joie dans ma vie éternelle, le Dieu de gloire, à imposer un temps de célébration dans ma vie éternelle, le Dieu de gloire. Oh
toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu insondable, tu es le Dieu des mondes. Jésus, Seigneur, je parle à cette année. Laisse que cette année 2024 soit inscrite comme une année de célébration pour mes enfants, pour ma famille, pour mes neveux, mes nièces, pour ma femme, Seigneur, pour mon église éternelle, le Dieu de gloire, Papa. Que tout celui qui entrera dans cette église durant cette année, Seigneur, qu'il ne soit pas dans la tristesse, mais qu'il soit dans la célébration. Laisse que tout celui qui entrera dans cette église, Seigneur, triste, Seigneur, qu'il soit dans la célébration en entrant dans cette église. Que ce lieu, Jésus, soit